Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro. C'est fini, c'est David et Maxime qui remportent cette première manche avec 350 points contre 215, 300 points plus les 50 points de la question quiz. Alexis et Xavier, rien n'est perdu pour vous, car vous avez la deuxième manche pour vous rattraper. Micro-quiz, actualité. Chez Lucasfilm Games, la vedette est sans conteste Indiana Jones, qui nous revient pour de nouvelles aventures qui semblent assez périlleuses. Loom est en cours d'adaptation sur CD-ROM, voici ce que cela donnera. It's back! So are we going somewhere, little wizard? I was better off with the elders back home. It's the dragon! Oh, he's after us! Well, that worked. Funny, I don't feel very scary. Monkey Island 2 réjouira tous ceux qui ont apprécié Monkey Island, premier du nom. Les graphismes sont, comme toujours chez Lucasfilm Games, remarquablement soignés. Retour à l'action avec Shadow of the Beast 3. Une fois encore, Psygnosis frappe un grand coup avec des graphismes et une animation qui portent les micro-ordinateurs dans le dernier retranchement. Le jeu sera-t-il pour autant intéressant? Seul un test approfondi nous le dira. Cela dit, ne soyez pas trop pressés, Shadow of the Beast 3 sera fini au milieu de l'année prochaine. Toujours chez Psygnosis, voici le futur Agony. Et pour finir en beauté cette séquence previews, voici les premières images de Sword Master pour console Nintendo. Il a été noté presque aussi bien que Super Mario Bros. Par le magazine américain Nintendo Power. Sword Master a été développé par Activision. Retour à l'actualité de la semaine avec les derniers titres parus. Beast Busters d'Activision sur Atari ST vous plonge dans un monde étrange peuplé de zombies, vautours et autres chiens enragés. Si les décors sont un peu simplistes, les monstres sont très beaux, les animations souples et les scrolling qui renforcent le réalisme des déplacements des personnages très variés. À tout non négligeable, deux joueurs peuvent combattre simultanément. Les Simpsons, vous les connaissiez en dessin animé, ils arrivent maintenant sur micro-ordinateur. Bart, en lutte contre les extraterrestres, doit trouver différents objets et les utiliser au bon endroit. Dans ce jeu d'adresse et de réflexion, la logique prime sur l'action. Les joueurs seront véritablement accrochés, du coup les graphismes simples, les bruitages restreints passent au second plan. Les Simpsons seront très bientôt disponibles sur console. Wing Commander 2 sur PC est signé Mindscape. C'est un des plus beaux jeux de l'année, mais il exige un PC très puissant. Les superbes combats spatiaux en 3D sont entrecoupés de séquences d'aventure qui créent une ambiance extraordinaire. Le travail accompli par les programmeurs de Wing Commander 2 est remarquable. Les spécialistes apprécieront. Alien Storm sur Mega Drive est un jeu assez facile, mais ses graphismes et surtout une superbe bande-son en font un programme à découvrir séance tenante. Pour ceux qui connaissent le jeu d'arcade du même nom, pas de problème, cette cartouche en reprend toutes les séquences. Bon courage dans votre lutte contre les extraterrestres. David, salut. Salut. Dis-moi, ça s'est passé comment ta première manche? Ça a été. Tu jouais sur Columns, t'as fait un bon score. Oui.
Dis-moi, tu as quoi comme console? Une Nintendo. Une Nintendo et beaucoup de jeux? Oui, environ 90. 90 jeux? Oui. Comment t'as fait? T'as tout acheté? Ben, disons, il y a Ketel Video, une société à Paris, ouais, qui regroupe des jeux Nintendo et d'autres. On trouve un peu sur les ordinateurs et autres consoles, en plusieurs cartouches, 31, 82... Et donc, toi, tu as acheté la cartouche à 82 jeux? Voilà. Et tu as d'autres titres. Quels, oui, sont les jeux que tu as? Zelda 2, Super Mario Bros. 1, Top Gun, Russian Attack. Ton préféré? Super Mario Bros. 1. Et tu as une idée du score, du meilleur score que tu aies fait sur Super Mario? Environ 500 000 points. Eh bien écoute, on va voir ce que tu peux faire sur Castle of Illusion sur Mega Drive pour la deuxième manche du championnat. Deuxième manche de notre championnat. Cette fois-ci, c'est Maxime qui joue dans le module 1, assisté de David aux questions quiz. Dans le module 2, pas de changement, c'est toujours Alexis qui joue et c'est Xavier qui répond aux questions quiz. Le jeu Mickey Castle of Illusion. Attention messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Les mains en l'air. 3, 2, 1, partez! Ils sont partis, le jeu c'est Mickey Castle of Illusion. Mickey est le grand héros de cette aventure, la terrible sorcière Mirabelle, la chevaucheuse de balai, au nez que l'on dit crochu et à la laine fétide, a enlevé la délicieuse mine. Mickey devra retrouver les 7 diamants de l'arc-en-ciel pour conjurer le sort. Attention, première question quiz, les candidats quiz, vous êtes prêts? La société Sega est-elle d'origine française, japonaise ou américaine? Japonaise. Xavier? Japonaise, bonne réponse. Les scores sont pratiquement à égalité. Attention pour la deuxième question quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Quel est le prénom de la fiancée de Mickey? Mini. Xavier. Mini, bonne réponse. Deux bonnes réponses pour le module numéro 2. Plus que 20, 10 secondes de jeu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fin de cette deuxième manche, c'est donc Alexis et Xavier qui remportent la deuxième manche avec 2800 points plus deux questions quiz d'une valeur chacune de 500 points. Donc 2800 plus 1000, 3800 contre 1600 points seulement pour David et Maxime. Bravo Alexis, bravo Xavier, c'est vous qui remportez la Mega Drive offerte par notre partenaire Micromania. Micro Kids Top. Top Micro avec Wing Commander 2 d'Origin sur PC qui saute de la 5e à la 1ère place. Elf est numéro 2, c'est un jeu d'océan sur ST, Amiga et PC. Thunderhawk de Core Design est disponible sur Amiga et ST et c'est le numéro 3. Trois nouveaux titres, Vroom qui rentre en 6e place, c'est un jeu de Landcore sur Amiga et ST. Jet Fighter 2 de US Gold sur PC est numéro 7. Et Hunter d'Activision sur Amiga et ST est numéro 8. Top console avec Outrun, un nouveau titre qui rentre tout de suite en 1ère place. C'est un jeu de Sega sur Mega Drive, Game Gear, Master System. Numéro 2, Mickey Mouse, il était premier la semaine dernière. Numéro 3, Alien Storm de Sega sur Mega Drive, il était second la semaine dernière. Un nouveau titre, PC Kit 2 de Hudson sur console NEC, qui rentre en 10e place. Coup de cœur micro décerné par Tilt, Golf Microprose de Microprose. Coup de cœur console décerné par la rédaction de Console Plus, Streets of Rage. Notre concours de démos avec aujourd'hui les démos 7 et 8. La numéro 7, c'est Inspiration is None du groupe Anarchy sur Amiga. La démo numéro 8, c'est Lightning Demo du groupe Pendragons sur Atari ST. Alors David, pas trop déçu de ne pas avoir remporté ce match? Un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu un peu le trac et puis j'ai pas eu le temps à chaque fois de répondre aux questions. Écoute, si tu ne gagnes pas la Mega Drive, j'ai là des jeux sur Nintendo. J'espère que tu ne les as pas dans ta collection. Non. Bon, bah écoute, c'est très bien. Séquence tips, le premier nous est envoyé par Maxime de Dijon. Il concerne le jeu Bad Dude sur Nintendo Entertainment System. Lorsque vous êtes sur la page de présentation, pressez sur la manette numéro 2 le bouton B, le bouton A. Faites ensuite bas et haut. Et enfin, appuyez Start sur la manette numéro 1. 64 vies grâce à ce tips.
dans Super Monaco Grand Prix sur Mega Drive, pour continuer la course si vous avez perdu au championnat du monde, il vous suffit d'appuyer simultanément sur les boutons A, B et C et vous continuez. C'est Julien Roubex de Champigny qui nous envoie ce tips. De nouveau sur Mega Drive, mais dans Golden Axe cette fois, pour choisir votre niveau de départ. Lorsque la page de sélection du personnage apparaît, placez la manette en bas à gauche et pressez en même temps les boutons B et Start. C'est Joël qui habite Dreux qui nous envoie ce tips. Dans Golf sur Game Boy, si vous ratez un tir, suivez les conseils de Benjamin qui habite Boulogne. Tout de suite après le coup manqué, appuyez rapidement sur Select, sur Start, puis simultanément sur les boutons A et B. Il suffit ensuite de resélectionner son joueur et de choisir l'option Continue. Le score de la semaine nous est envoyé par Olivier Ambert de Paris sur Final Fight version Super Famicom. Olivier a réalisé le score de 3 369 630 points. Bravo à l'équipe qui remporte aujourd'hui la Mega Drive offerte par notre partenaire Micromania. Les perdants repartent bien évidemment avec des jeux et des abonnements à Tilt et à Console Plus. Je vous rappelle que le concours de scénario est parrainé par le ministère de la Culture, organisé par Tilt et MicroKids. Pour tout savoir, une adresse, Tilt MicroKids, 9 13 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. C'est également l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire. Le 3615 code FR3 pour participer à l'émission. Notre invité de la semaine prochaine, c'est une surprise, je ne vous en dis pas plus. À la semaine prochaine dans MicroKids sur FR3. Jeux vidéo, console, logiciel, micro.